Tout ça donne une image de la représentation nationale et une image de la politique qui est absolument catastrophique et encourage les contestations de fait l'objet. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'abus. On en a suffisamment parlé. Mais ces abus sont des abus. Par définition, ils ne constituent pas la règle. Et accepter à travers des textes, ils nous ont présentés de cette manière. L'idée que le Parlement et que les parlementaires. Loin de vouloir servir l'intérêt général, n'aurait d'autres objectifs en vue que servir les intérêts personnels, particuliers ou pécuniaires, pourraient être les personnes politiquement exposées, comme le font aujourd'hui l'objet parlementaires qui font l'objet d'enquêtes menées par leurs propres banques, au motif qu'ils sont susceptibles d'être soumis à la corruption, mais c'est une remise en question de la démocratie parlementaire elle même à laquelle on assiste. Et je le dis d'autant plus fortement que je suis favorable à des mesures de transparence sur tous les sujets que l'on vient d'indiquer. Mais il faut arrêter d'instruire ce procès qui ne sert que deux choses soit une technocratie qui prétend diriger l'État à la place du politique, soit des démagogues et des populistes qui prétendent diriger l'État à la place de la démocratie, c'est-à-dire à la place des citoyens. Et ça, nous ne pouvons pas l'accepter. La deuxième remarque que je voudrais faire, elle a trait à l'amendement dont on est saisi elle montre bien le ridicule dans lequel on est en train de sombrer. Qui va définir la relation amoureuse D'abord de simple point de vue affectif, qui est capable ici de définir la relation qui le lie à ses enfants, à sa femme, à sa maîtresse d'une façon ou d'une autre, mais tout ça n'a aucun sens. Faudra-t-il financer des lectifs privés sur l'IRFM pour vérifier que nous ne sommes bien effectivement dans ce cadre-là Tout cela est absolument ridicule. Donc il serait temps que nous nous ressaisissions et que le gouvernement nous aide à le faire pour que nous puissions aborder les grands sujets qui sont ceux du moment d'une manière qui soit plus digne et plus noble. Merci.